Bonsoir les amis. Alors j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien et je vais vous dire bonjour à tous. Alors bonjour à toute la France, à toute la Belgique, à toute la Suisse, à tout le Canada, à tout le Québec, à toute la Martinique, la Guadeloupe, à toute la Polynésie, à toute la Réunion, à toute les gens qui parlent français dans le monde entier, toute l'Afrique francophone, à tous les autres qui aiment ou comprennent le français, peu importe, à tous les Français qui sont partout dans le monde. Je salue tous les amis qui sont un peu partout. Je salue particulièrement, comme d'habitude, nos amis italiens. Et voilà. Je vais prendre la tablette pour regarder si vous m'entendez bien et vous saluer. Chacun personnellement. Alors, il y a un retour. Alors, je ne sais pas, j'essaye de régler ça. Voilà. Son parfait visuel aussi. Bon, bah, c'est magnifique. Je reprends tous ceux qui sont là. Bonsoir, Patrice. Oh, les cœurs, nous dit-il. L'Égypte au cœur et ça ne vous lâche plus. Oui. Bonsoir Claudie, bonsoir Laurent, bonsoir Irène de Firmini, bonsoir Rani des Hautes-Alpes, bonsoir Sourati, bonsoir Jo, merci à toi d'être là. Bonsoir Formation sans frontières. J'ai beaucoup de décalage hein, dans mes images à moi. Je ne sais pas si vous, ça va. Dites-moi si vous allez, si c'est pas haché, si ça va. Bonsoir Élodie de la Guadeloupe. Bonsoir Luce. Bonsoir Boéao. Bonsoir Jardin d'Arbraman. Merci à toi d'être là. Tu dis que cette émeraude m'intrigue. Et oui, il y a de quoi, tu vas voir. Bonsoir Anne. Bonsoir. Isabelle, bonsoir Horacio, bonsoir la même Zaza, bonsoir Ribel Passato, merci Gégal pour ce rendez-vous maintenu par vent et marée, ce qui est chaque fois un magnifique cadeau. Et oui, j'avoue que des fois j'hésite à le faire, mais pour vous tous qui m'écrivez, qui tout le temps êtes à l'écoute, voilà, et je suis là et je serai là encore après le 25 décembre, les amis, je pense, en tout cas. Donc, comptez sur moi. Voilà, bonsoir Lys, bonsoir Peace Unity, bonsoir Chris Marie du Var, bonsoir Lika, bonsoir René, bonsoir Shafika, bonsoir. Mettez des pouces, les amis, j'oublie de le dire. Malheureusement, on est obligé d'en passer par là, les amis. Alors, mettez des pouces. Merci Marie-Paul du Gard. Bonne soirée en perspective, au les cœurs. Merci à toi. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir Marie-Leila. Bonsoir Cyril. Bonsoir Flora. Bonsoir Cécile. Bonsoir Laurent. Bonsoir Irène. Bonsoir Monsieur K. Bonsoir Contact Terre, bonsoir Abdel, bonsoir la même Zaza, oui déjà j'ai dit bonjour, bonsoir à tous les amis, bonsoir Sheila, mettez des pouces les amis, on va parler de choses ce soir encore, j'espère pour vous passionnantes,
On va se régaler. Bonsoir, No Brain Inside. Salutations. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir à tous, les amis. J'en profite aussi de dire bonsoir à Twitter, sur lequel je suis en même temps. D'ailleurs, les amis, si vous pouvez aller mettre des pouces sur mon Twitter, ce serait bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur Twitter. Or, il faut savoir que Twitter, quand la qualité de votre web est mauvaise, c'est la meilleure qualité qui soit. Donc, je vous le dis en passage. Bonsoir à tous ceux qui sont sur toutes les pages Facebook où cette retransmission est faite. Bonsoir à tous ceux qui reverront en replay. Bonsoir à LinkedIn aussi, où je suis en train d'être vue. Bonsoir à Twitch, sur lequel je suis aussi. Bonsoir les amis, haut les cœurs. Bonsoir Auralo. Elle nous dit, il est l'heure de se mettre à table autour de l'aimé ode en plein solstice d'hiver et entrer à la matière. Yes. Marie-Paul, bonsoir. Elle nous dit, faites-vous ce cadeau de l'élixir, vous ne regretterez pas. Oui, ce soir, il y a jusqu'à mercredi minuit, il y a un prix vraiment avantageux puisque c'est 80 euros pour l'année. Pour l'élixir, qui sont tout ce dont je parle, c'est toutes les anomalies archéologiques dans le monde. Tous les jours, je vous en livre une avec ma pensée. C'est très apprécié par les gens qui l'ont. Voilà, tous les jours, vous avez un audio de moi avec des images. C'est l'élixir sur Telegram. Il suffit de télécharger gratuitement Telegram et d'aller. Et si vous avez pris cet élixir, eh bien, vous aurez accès à ce fil. Bonsoir. Il y a aussi un prix ce soir pour Anubis et au poids haut, très important en ce moment pour la protection, les stratégies, tout ça. Les amis, et notre histoire liée à celle de l'Égypte, l'histoire de la Dame du Lac liée à l'Égypte très fortement, vous allez voir ça, et le territoire secret, Taour, la grande terre, dans Anubis et Upuahou, la masterclass. Vous avez tous les liens sous toutes mes vidéos YouTube, les amis. Vous cliquez sur le lien, vous descendez dans la page pour voir tout le programme, le machin, les témoignages, absolument tout. Et après, si vous choisissez de le prendre, ben, vous n'avez plus qu'à l'apprendre. Bonsoir, Abdelrahim. Bonsoir. Alors, Auralo nous dit, je me suis fait le cadeau de la masterclass Sermet, un retour aux sources sublimissime. Merci à toi, Auralo. Oui, il y a toutes les autres masterclass, sont toujours là. Je sais pas combien de temps, je sais que je le dis depuis un moment, mais ça dépend de beaucoup de choses, parce que j'aurai peut-être à faire d'autres choses bientôt. Donc, les amis, profitez pour les prendre, c'est maintenant. Ça vous est très utile pour en ce moment. Vous pouvez aussi les offrir en mettant l'email de la personne à qui vous voulez offrir à la place du vôtre. Pour Noël ou le jour de l'an, vous pouvez plein de choses. Sachez que ceux qui l'ont, ben, ils l'ont toujours, hein, de toute façon. La plateforme est maintenue par moi, de cours, où vous avez toutes vos vidéos. Bonsoir, Sarah Neil. Bonsoir. Et nous sommes combien là? On est 55, c'est pas beaucoup, les amis. Je sais que les gens sont fatigués, épuisés, en plus, avec les préparations là, de... S'il vous plaît, ne me parlez pas des fêtes, hein, surtout pas. Voilà, surtout qu'il y en a qui vous fêtent déjà les fêtes, alors que dans la tradition, il ne faut surtout pas faire des vœux avant le temps. Et vous savez pourquoi? C'est à cause des lignes de temps, c'est pas une histoire de superstition. C'est parce qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut respecter ce temps sacré. Donc, quand on veut faire ses vœux pour Noël, on les fait le 24 décembre au soir ou le 25. Quand on veut faire des vœux pour l'année, on le fait le 31 au soir ou le 1er janvier et on a 40 jours pour le faire. 30 jours pour le faire. Donc les amis, respectons la tradition, elle a toujours une raison. Hein, la raison des lignes de temps. Quand vous le faites avant, vous décalez plein de choses
dans votre destin et celui à et chez celui à qui vous le faites. Donc mes amis, merci de souhaiter ces vœux là que le 24 au soir ou le 25. Voilà, s'il vous plaît, respectons cette tradition avec un grand T qui a trait aux lignes de temps. Pour les lignes de temps, il faut comprendre beaucoup de choses. J'ai des tas de lives là-dessus. Vous allez qu'à avoir la liste de mes lives en allant sur live dans mon YouTube ou sur direct. Et vous descendez, vous avez toute la liste, tous les titres. Il y en a plus de 300, 400, je ne sais plus, j'ai pas compté. Et vous allez trouver tous ceux qui parlent des lignes de temps. C'est très important. Et la masterclass, les deux masterclass sur les lignes de temps, Ravenna et Némi, sont très importantes aussi. Donc les amis, cela a une importance de fêter les choses en son temps. Il y a un temps pour tout. Et il ne faut pas troubler l'ordre des lignes de temps, s'il vous plaît. Voilà, parce que c'est de plus en plus à la mode de fêter longuement à l'avance les choses. Comme ça, les gens se débarrassent, ils se disent, bon, comme ça, je suis tranquille pendant les vacances. J'ai déjà fêté le truc à tout le monde, envoyé mes vœux à tout le monde. C'est fait comme si c'était un truc désagréable et qu'il fallait s'en débarrasser au plus vite. C'est pas comme ça. Et il faut vraiment une intention du moment précis. Voilà, les amis. Alors, je sais que, bon, il y en a déjà certains qui m'ont déjà fêté. Ils vont avoir une mauvaise... Mais tant pis, c'est la vérité. Il faut respecter les traditions avec un grand T. D'accord ? Voilà. Alors, merci Sarah et Neil. Oui, Marie-Paul. Bonsoir Sylphide de Lumière. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes 57, et puis là, en fait, effectivement, comme nous dit Jardin d'Abraham, en fêtant le solstice d'hiver, ce qui est très important, hein, parce que la lumière recommence à gagner du terrain à partir de demain. Donc, les amis, s'il vous plaît, concentrons-nous sur les choses du moment et du temps. Voilà, c'est très important. Alors, on va peut-être commencer, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi si vous êtes prêts, là. Parce que j'ai l'impression que tout le monde dort. On est 57 seulement, mais tant pis pour les retardataires. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Alors, oui, nous dit la Mme Zaza, Cécile, Anne, Sylphie, Dani, Nathalie, Sarah, Lika, Chris, Nadine, tout le monde est prêt, apparemment. Gluton aussi, nous dit Jardin d'Abraham. Gluton, c'est notre chat fétiche, faut connaître. Quand vous avez une masterclass, les amis, vous pouvez demander l'accès au chat des élèves sur Telegram, où je fais des audios presque tous les jours, où je poste tous les jours et tous les élèves. Élève, ça veut dire quoi? C'est simplement quand vous avez pris une masterclass. Après, vous étudiez à votre rythme, vous l'avez pour toujours, donc vous faites comme vous voulez. Mais c'est ça que j'appelle les élèves. C'est pas des gens précisément à qui j'enseigne tous les jours, c'est juste les gens qui ont pris des masterclass. Alors, bonsoir Flora, bonsoir... Tout le monde dit oui. Chilangic, oreille en place, c'est bien. Bonsoir Corinne. Voilà, bon, alors, on va peut-être pouvoir y aller. Je regarde la lumière parce que je suis un peu éblouie, j'essaye de voir ce que je peux faire pour la lumière. Il y a beaucoup de lumière, mais bon, non, c'est pas ça qui me dérange. Donc, excusez-moi. Ah oui, c'est ça qui me dérange. Voilà, là, je suis un peu mieux. Bon, les amis, le sujet de ce soir... Voilà, donc, richesse des phénomènes et de l'émeraude de la Grande Pyramide. Alors, bien sûr, toutes les questions que vous vous posez, c'est à propos de l'émeraude. Vous vous demandez, hein, parce que vous en avez pas dû beaucoup en entendre parler de cette émeraude. Bien qu'il y en ait déjà qui font le rapport avec la table d'émeraude, mais bon, vous allez voir. Alors... Je crois qu'on peut commencer. Nous sommes tout d'un coup 64.
C'est très bizarre, hein, ça, le moteur, la numérotation, elle change en une seconde, elle descend, elle monte, c'est bizarre. 64, nous sommes. Donc, les amis, on commence. Et alors, quand j'ai mis certains phénomènes, je ne sais plus comment est mon titre, c'est vrai que je parle de phénomènes. Certains phénomènes. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est vraiment l'histoire de l'émeraude. Mais je suis un peu obligée de vous parler de quelques phénomènes quand même avant. Et c'est pas les plus importants. C'est pas. Je vous ai déjà parlé de certains dans d'autres lives. Mais là, c'est juste pour faire une entrée en matière, on va dire. Alors, vous savez bien que on nous a toujours parlé, enfin tous les théoriciens de la Grande Pyramide, ceux qui sont venus en Égypte, hein, parce que les autres, j'en parle pas, ont tous parlé d'une concentration cosmique réalisée par l'ensemble de la Grande Pyramide par rapport aux faces. Hein, j'ai fait des lives là-dessus où je vous explique non pas les quatre côtés de la Grande Pyramide, mais les huit côtés. Vous allez, vous replongez-vous dans ces lives-là. Et puis, vous avez aussi le dispositif qu'on appelle de condensation de la chambre du roi. Et on s'est aperçu que on recueille le maximum de rayons de l'espace, enfin de photons, tout ça, et que réfracter et rassembler au milieu de quelque chose vers la même direction, celle du sol de la chambre du roi par exemple, et par la suite d'autres choses sans doute, ce qu'on appelle les rayons réfractés, c'est très important, c'est-à-dire que le dispositif de la chambre du roi réalise un condensateur cosmique concernant les rayons déjà réfractés par la forme même d'une pyramide répondant à la loi du nombre d'or. Bon, c'est résumé très succinct ce que je dis là, parce que je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là ce soir, et parce que je veux aborder l'autre. Et donc, il faut savoir que Grof et Abate Pacha, dans une communication du 8 janvier 1897 à l'Institut égyptien, signalait avoir souvent observé la nuit des lumières tournant autour des pyramides, notamment 5 heures après le coucher du soleil. Ces lumières se voient sur les côtés nord et est, et je dirais même pratiquement que là. Vers 8 heures du soir fut remarquée une lumière qui paraissait tourner, dit-il. On aurait dit une petite flamme, ou mieux une étoile filante semblant faire 3 fois le tour de la pyramide. Vers 11 heures du soir, la lumière était de couleur bleuâtre. Certaines fois, ces lumières semblent tourbillonner. Gérard de Nerval, hein, notre grand poète national, et d'autres auteurs font état, à la suite d'une visite prolongée de la Grande Pyramide, de l'indication d'un air chaud, je cite, d'un air chaud respiré, imprégné d'odeurs bitumineuses. Cette dernière odeur est caractéristique d'une synthèse à froid d'hydrocarbures réalisée en milieu carbonique peu oxygéné, hein, à l'intérieur de la Grande Pyramide, sous l'effet d'arc électrique ou de bombardement cosmique. Voilà. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire, il y a un bombardement de photons et il y a tous ces phénomènes-là qui engendrent tout ça. Brunton, qui a passé une nuit dans la chambre du roi après 3 jours de jeûne, signale les puissants effets psychiques ressentis. Il y a ça aussi. D'abord, une sensation de refroidissement en dépit de l'air chaud. Beaucoup de phénomènes comme ça. Bon, et lors
il faut le savoir, que lors de l'étude du mastaba de Pen Meru, Reisner, hein, le grand chercheur Reisner, a trouvé une mention donnant le nom de la grande pyramide avec le déterminisme propre au temple du soleil, c'est-à-dire une pyramide à plateforme surmontée d'un petit obélisque. Ainsi, on retrouve le naos des autels, sorte de petite pointe en forme d'obélisque taillée en diamant au sommet, dont il est parlé par ailleurs et qui était appelé esprit céleste. C'était en fait un capteur en premier lieu d'électricité atmosphérique. Alors, que la pointe d'un obélisque soit un capteur d'électricité atmosphérique, comme dit Reisner, c'est pas étonnant. Ainsi, dit-il, l'arche d'alliance de Moïse, qui constituait en fait un véritable condensateur puissant, était capable de foudroyer l'audacieux non-initié qui se serait permis le sacrilège de toucher l'autel consacré sans protection. Au contraire, les grands prêtres officiaient toujours avec des vêtements tissés de fils d'or. Il se mettait donc automatiquement à la terre par l'intermédiaire de ses habits conducteurs. C'est ça qui les protégeait. De plus, ils étaient protégés car ils se trouvaient en fait à l'intérieur d'une véritable cage de Faraday. Toutes ces sciences électriques viennent des Égyptiens parce que même Moïse a été initié en Égypte, on le dit dans les textes, la Grande Pyramide. Dès les origines et jusqu'à la révolution qui est intervenue après la sixième dynastie, c'est-à-dire 4326-4123, le pharaon, avant Jésus-Christ, hein, le pharaon pouvait prétendre à ce qu'il appelait la lumière céleste. Voilà. Donc, toutes ces choses sont vraiment importante. Alors maintenant, c'était juste un petit résumé, très petit, de choses qu'il faudrait parler pendant des heures pour bien expliquer, mais le sujet de ce soir, c'est notre histoire d'émeraude et il faut que je vous en parle en détail, les amis. Alors attendez, je vais... Voilà, c'est mieux comme ça. Je règle encore la lumière. Voilà. Oui, on m'a demandé qu'est-ce qui est écrit sur mon t-shirt, mais everything is possible. Tout est possible, les amis, hein. Remontez vos vibrations, là, vos fréquences. Tout est possible. Arrêtez de penser au pire, s'il vous plaît. Je vous ai à l'œil. Alors, avant de commencer, Amy Odd. Ah, oh, c'est joli, Auralou. Merci. Ah, Monsieur Cash, Shilangit, c'est toi. Bon, très bien. Bonsoir Laurent. Auralou, oui. Assia, bonsoir. Cécile, bonsoir. Peace Unity nous raconte qu'à une époque, il mettait une émeraude dans sa bouteille d'eau au travail. Bonsoir Pikachu, bonsoir tout le monde. Bon, je continue, mes amis. Alors, comment vous dire? Je vais me borner à citer celui qu'on appelle en France Al-Murtadi par erreur, hein, parce qu'il l'appelle comme ça en France, parce que c'est une mauvaise transcription de Vatier en 1666, qui a très mal traduit le vrai nom de ce très grand historien arabe et philosophe qui s'appelle Murtada ibn al-Khafif, en fait. Murtada ibn al-Khafif. Et pas Murtadi, comme ont écrit les Français. Mais bon, c'est pas grave, ça mérite d'exister. Donc si vous cherchez Murtadi, vous n'allez rien trouver, parce que le monsieur s'appelle Murtada ibn al-Khafif. Alors,
Je vais me borner à citer donc Mourtadine, on va continuer à l'appeler comme ça parce que c'est plus simple pour vous. Et puis c'est comme ça que on l'appelle en France, mais qui a fourni des précisions sur toute l'histoire de la découverte de la Grande Pyramide en détail. Et moi, j'ai lu tous ces textes, hein. C'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Et que toutes ces assertions ont été reprises par tous les grands historiens arabes ou autres, et même par des Persans, par des Irakiens de l'époque, par des tout le monde, à la même époque, a parlé des mêmes choses. Et ce sont des textes que je considère comme éminemment importants. J'espère un jour pouvoir vous en lire un en entier, parce que ça vaut la peine. Ils existent en vieux français, mais bon, c'est pas un problème, en vieux François. Enfin, j'ai vérifié avec les textes en arabe, parce que sinon, ça va pas. Et parlant des rois d'Égypte avant le déluge, parce que c'est ce dont parle Mourtadi, il déclare, je cite les amis, il faut parler de leur richesse. Comment ils les ont assemblées et acquises et comment ils les ont conservées dans leur pyramide bâtie dessus et comment ils sont passés et les ont laissées afin que ceux qui désirent s'instruire d'exemple puissent en trouver dans leurs vestiges et que ceux qui enseignent les autres y trouvent des avertissements à leur donner. Donc déjà, on apprend une chose, c'est que à l'intérieur de la Grande Pyramide, il y avait beaucoup de richesses. En plus, je parle au passé, ça continue à y en avoir d'ailleurs, peut-être, certainement même. Il y en a certaines qui ont été découvertes et d'autres pas. Et il dit surtout que les pyramides ont été bâties dessus. Donc, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on a creusé d'abord et ensuite on a construit. On n'a pas enfermé ces richesses à l'intérieur de la pyramide après la reconstruction. C'était avant. Donc, c'est intéressant. Ce même auteur explique ensuite dans quel but furent construites les pyramides. Alors, je cite un passage que j'ai déjà cité, mais bon, je recommence. Sauride, fils de Salhoq, 300 ans avant le déluge, songea une nuit qu'il voyait la terre se renverser avec ses habitants, les hommes tombés dans leur village, les astres choir sur le ciel et s'entrechoquer et provoquer en tombant des cris horribles et épouvantables. Puis, après ce rêve, il convoqua les 130 prêtres et devint pour leur raconter son rêve. Le plus grand prêtre, Aklimon, raconta alors qu'il avait eu un songe semblable un an plus tôt. Le ciel s'abaissait sur nos têtes et les astres se mêlaient aux humains, sur quoi les prêtres, après avoir consulté les astres, indiquèrent que ces rêves annonçaient le déluge et le feu. Je continue la situation. Alors, Sauride commanda que l'on bâtît les pyramides afin d'y transporter et resserrer ce qu'ils avaient de plus cher dans leurs trésors, les corps de leurs rois et leurs richesses, les racines aromatiques qui leur servaient et qu'ils écrivent et sur lesquels ils ont écrit, ils veulent dire les murs intérieurs, leur sagesse dessus, ou les murs plutôt extérieurs. Vous savez que les parements de la Grande Pyramide ont disparu depuis un certain temps et que on a des témoignages de grands auteurs grecs qui nous disent que c'était couvert d'écriture. Alors, je continue sa citation à Murtadi. C'est lui, Sourite, qui fit bâtir les deux grandes pyramides, les deux.
Une grande partie des sages tiennent qu'elles ont été bâties par Sédate, fils de Gad, et qu'il fut ensépulturé dans l'une des deux. Sous l'une des deux, pardon. Mais les anciens des Coptes et leurs sages nient que les Gadites soient jamais entrés en Égypte. Ils nient la même chose des Amalécites et disent que l'Égypte leur fut toujours inaccessible par le moyen de ses enchanteurs et de leurs artifices et stratagèmes. Et là, ils se mettent à raconter, donc c'est des histoires entre l'étranger et l'Égypte, hein, ils disent que c'est pas possible qu'il y ait des étrangers qui ont pu entrer, mais par contre que oui, il y a des choses sous les pyramides. Et là, il fait la liste des richesses qui se trouvent dans les grandes pyramides. Il ne précise pas lesquelles, hein. Il précise que les trésors furent, je cite, « déposés dans les casemates des pyramides à 25 mètres environ sous terre ». Parce que c'est 40 coudées, ça fait à peu près 25 mètres sous terre. Et il y a d'autres auteurs qui indiquent des valeurs beaucoup plus grandes. Ensuite, dans la pyramide occidentale, c'est-à-dire Mykérinos. Mais tiens, d'abord, je vais vous remettre dans l'ambiance, les amis, en vous mettant une petite vidéo silencieuse, hein, voilà, du site, pour que vous soyez bien dans le dans l'ambiance. Alors. Donc, vous avez vu les trois pyramides. À droite, c'est Mykérinos. Au centre, c'est Khéphren. Et puis, vous avez Khéops à gauche. Je vais vous en remettre une autre petite. Voilà. Je vais remettre la première parce qu'on voyait mieux dans la première. Voilà. Donc, les amis, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. J'espère que vous aimez l'ambiance. Oui, la Mam Zazal, c'est bien Murtada ibn al-Hafif, mais en fait, c'est al-Hafif. Bon, alors, je continue, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Mykérinos, la plus petite pyramide des trois? 30 grands vaisseaux en pierre fondue colorée. Chaque vaisseau, un vaisseau, vaisselle, c'est un vase, hein, en fait. Chaque vaisseau contenant la charge. Alors non, là, excusez-moi, c'est beaucoup plus parce que ils nous mettent que 30 grands vaisseaux de pierre fondue colorée. Ça, c'est la traduction en français du texte en ancien arabe qui a copié les textes en ancien égyptien et qui est venu chez nous en ancien, en vieux français. D'accord? Donc, il y a des mots qui restent un peu, je dirais, qui sont pas de notre époque. Voilà. Donc, 30 grands vaisseaux en pierre fondue colorée, chaque vaisseau contenant la charge de 100 mulets, furent déposés dans le bas étage. Il les fit remplir de pierres précieuses et de jacinthes tant que le plancher en fut chargé. Puis, il fit encore transporter ses trésors et ses richesses, les plus précieux joyaux, vaisselles, de pierreries, de perles fondues et colorées, de vases d'émeraudes, de vaisseaux d'or et d'argent, de statues bien travaillées, d'eau artificielle, de talismans de fer précieux qui se pliaient comme du drap.
des lois philosophiques, diverses espèces de drogues médicinales, des tables d'airain sur lesquelles diverses sciences étaient écrites, etc. Ensuite, dans la grande pyramide de Khéops, je cite, les idoles des astres, alors on entend par idole des statues, les idoles des astres et les tabernacles des corps célestes, c'est-à-dire des autels, les livres d'annales et d'histoire et ceux de prédictions futures. Donc quand je vous dis que les anciens Égyptiens connaissaient très bien toutes les lignes de temps, mais de toute façon c'est par eux que j'y suis arrivée hein, dans ma recherche, voilà, ils savaient lire dans le futur. Et pas lire en voyance ou en méditation ou tout ça. Non, mathématiquement, comme le font certains aujourd'hui. Qui nous font des drops, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, enfin, dans la pyramide de Khéphren, je cite, les corps des prêtres et des grands rois dans de grands vaisseaux de pierre dure noire, auprès de chacun son livre et les merveilles de son art très en dessous. Donc on n'a pas retrouvé, je vous rappelle, de corps dans aucune pyramide ni de momie. Mais là, il nous parle de très grande profondeur sous la pyramide. Et ce, les pyramides n'étaient pas construites pour faire des tombeaux. Pour toutes les pyramides, Sorite fit aussi poser avec les murailles de chacune d'elles. Il faut savoir que les pyramides étaient entourées de murailles. On en a toutes les preuves archéologiques aujourd'hui. Je cite des idoles qui serraient en leurs mains tous les arts, la description de chacun, la manière de l'exercer. Puis il fit transporter les richesses des maisons des astres et leurs ornements dont ils avaient fait offrande et les biens des prêtres. Mourtadi indique ensuite, je cite, Sauride régna 107 ans, son fils Argib fit bâtir la première des pyramides d'Achour et il fit porter quantité de richesses et de pierreries de grand prix. Il s'agit de la pyramide rouge. Arbig était fort attaché à la chimie et au traitement des métaux. Il amassa de l'argent et l'enterra tous les ans sous la pyramide. Donc celle de Dachau. Il mourut à 99 ans. Son fils Ménaos, superbe et orgueilleux, répandit beaucoup de sang et dissipa une grande partie des trésors de ses ancêtres. Il fit bâtir des palais d'or et d'argent, où il faisait venir des canaux du Nil et il recouvrait le fond de ces canaux de hyacinthe et autres précieuses et autres pierres précieuses. Pour quand il passait en barque, tout scintillait. Il précise enfin, le prêtre Saïouf vécut jusqu'au temps du roi, du pharaon. Sous le règne du Kal arriva le déluge. Il avait sa demeure dans la pyramide, la grande pyramide. On l'appelait la pyramide maritime, parce que la mer arrivait jusqu'au pied de cette pyramide. Aujourd'hui, on a retrouvé, enfin il y a déjà quelques années, des ports et des digues à côté de cette grande pyramide. Donc, il dit, il avait sa demeure dans la pyramide maritime, laquelle était un temple des astres où il y avait une figure du soleil, une de la lune, qui parlait. Alors, ne vous étonnez pas, j'ai déjà beaucoup parlé sur les automates très anciens. J'en reparlerai bientôt parce que je sens qu'il va y avoir besoin que j'en reparle, mais c'est intéressant. Et il y avait dans Mykérinos plusieurs choses admirables,
des statues et des livres, et entre autres la statue Kyrie et qui était faite d'une pierre précieuse verte. Ils avaient resserré toutes ces choses là-dedans de peur des inondations et des ravages. Parmi les richesses déposées dans les profondeurs de la grande pyramide, donc Khéops, les Bédouins racontaient, il y a encore 300 ans, que se trouvait la fameuse table Samarguine, la table d'émeraude, Samarguine, oh, j'arrive jamais à la prononcer. Attendez, je vais vous la montrer comme ça. Alors, vous savez que la table d'émeraude, on vous la représente à peu près, je cherche, excusez-moi. Ah oui, le livre de Mourtadi, le voilà, Ibn al-Khafif, hein, l'Égypte de Mourtadi, voilà, traité. Voilà, bon. La table d'émeraude, Samarkina. Voilà, avec le texte. Alors, on vous la représente comme ça, hein, elle est censée avoir été écrite par Thoth lui-même, Tehuti, d'accord, Hermès, hein. Et ça, on le retrouve dans tous les textes, hein, qu'ils soient anciens égyptiens ou plus tard. Simplement, on vous la représente comme ça, alors qu'elle n'était pas du tout comme ça. Elle était plutôt comme ça. D'accord. Enfin, ça, c'est inventé, hein. Mais elle devait ressembler beaucoup plus à ça que à ce qu'il y a au-dessus, comme on vous la représente, hein. Voilà. Donc, ça ressemblait à ça. Et encore à ça. Voilà. Ça, c'est pour que vous puissiez rêver à la table d'émeraude. Et donc, les Bédouins racontaient qu'il y a 300 ans se trouvait la fameuse table Samarguina, ou prodigieuse table d'émeraude sur laquelle Hermès de la dynastie des dieux, c'est-à-dire, enfin, des dieux, vous savez que j'aime pas, des énergies, c'est 30 000 ans avant Jésus-Christ, carrément, hein, aurait gravé à la pointe de diamant le suprême secret du grand œuvre. Ce grand œuvre ne serait-il point d'ordre cosmique? Et en tout cas, on retient la confirmation de toutes les prédictions qu'ils ont écrites dans ce livre que Mourtadi a repris. Alors, je vais continuer. Je vous en ai déjà parlé, hein, dans d'autres lives. Bon. Donc, parlons de cette émeraude. Si on accepte ce que a écrit un très grand chercheur français, dont plus personne ne parle malheureusement, alors que pour moi c'est un des plus grands, il s'agit de Maurice Guignard, G-U-I-G-N-A-R-D. Alors, je peux vous dire un peu la vie de Maurice Guignard pour que vous compreniez qui c'est. Hein, moi, j'aime bien parler des gens de valeur. Donc, Maurice Guignard, il a déchiffré la langue étrusque et il avait une correspondance très volumineuse avec de grands chercheurs de l'époque, les professeurs Jacques de Mailleux, Hermann Munch de l'Université de Buenos Aires, le professeur Glour de l'Université de Genève, etc. D'ailleurs, il a reçu une distinction, je crois, en Suisse. Et depuis 1980, Maurice Guignard n'a plus rien publié, mais il a rédigé énormément de manuscrits, de traductions de toutes les inscriptions étrusques connues sur la colonisation étrusque du Japon. Alors ça, c'est un truc, à mon avis, vous en avez jamais entendu parler. Voilà Maurice Guignard. Excusez-moi, je bois un peu. Voilà. Donc, Maurice Guignard. il nous révèle. Donc, en fait,
Il a parlé aussi de la colonisation de l'Amérique du Sud et de l'océan Pacifique par les Étrusques, car ils détenaient des cartes lydiennes découvertes par les colons groenlandais et rapportées à l'abbaye dunoise de Nottonville par le père abbé Gentian Guinard à la fin du XVe siècle. Et ces traductions confirment à 100% l'hypothèse d'un autre grand chercheur qui est Licinio Glore, qui soutenait que les Étrusques avaient colonisé le monde entier. Excusez-moi. Donc, c'est un truc énorme. Faudra d'ailleurs que je vous en parle un de ces jours, mais voilà. Et il a révélé que, excusez-moi, j'en ai peut-être, que les rades, RAD, étrusques, c'était les prêtres étrusques, hein, versés dans la médecine, les mathématiques. Ils savaient produire de l'électricité statique de haut voltage pour l'emmagasiner ensuite dans des condensateurs de grande capacité, c'est-à-dire de quelques dizaines de farads, alors que la technologie moderne n'est pas encore parvenue à fabriquer des condensateurs dont la capacité n'excède pas quelques microfarads. Les condensateurs étrusques, qui étaient nommés Orcu Holkar, se composait de deux cylindres coaxiaux imbriqués l'un dans l'autre et séparés par un diélectrique spécial non encore découvert par la science moderne. Comme l'attestait un texte ancien, grâce à leurs appareils électriques, ces rades étrusques pouvaient agir sur la météorologie. Voilà. Comme quoi, il y a des anciens textes qui ne se perdent pas, mais qu'on fait tout pour qu'on vous les occulte. Et parallèlement à ses recherches en étruscologie, Monsieur Guignard publiait en, Maurice Guignard publiait en plusieurs fascicules les architectes odinistes des cathédrales. Et il c'est en fait un dépouillement méthodique de tous les manuscrits de famille qu'il avait à disposition en vieux norvégien et bas franconien qui proviennent des archives des loges odiniques des cathédrales de Chartres et de Sèze. Un aïeux de l'auteur John Guinard fut le grand maître et l'architecte de la cathédrale de Chartres. Elle est le fruit de l'étude systématique du trésor constitué par les minutes et archives des Guinard, notaires royaux à Chartres en 1380 à 1600, à Cogny-Molitard et à Nauphle-le-Château. Ainsi reviennent toujours des secrets prodigieux qui étaient enfouis depuis 6 siècles dans les cryptes et les dédales murés des cathédrales bretonnes et normandes. Vous vous rendez compte de la somme d'archives absolument incroyables que ce monsieur a trouvées et décryptées? C'est ainsi que, toujours Maurice Guinard, put lire le mémoire datant de 1082 à 1085 de Sigfusson, le créateur islandais de l'architecture gothique, écrit dans sa langue nationale et qui était encore celle de ce qu'on appelle les Chartreins. Il en donne des extraits significatifs dont il fournit aussitôt la traduction française. Et ce mémoire avait été recopié plusieurs fois et l'une de ces copies était tombée en 1940 aux mains des Allemands, qui purent alors expérimenter à Peenemünde jusqu'à l'offensive russe un type révolutionnaire d'appareil anti-pesanteur qui, depuis 1945, a été fabriqué en grande quantité
dans les Andes et l'Antarctique. Tout ce que je vous dis depuis des années, allez voir mon documentaire aussi qui est comme une masterclass que vous pouvez vous procurer sur les frontières réelles de la Terre et vous comprendrez tout le circuit. Donc, cet auteur a aussi compulsé un autre mémoire très concis de l'alchimiste islandais Gissur qui vint aussi à Chartres pour encourager Sigfusson. Il apprit aux Chartrains à piler et à fondre des agates extraites des cheminées volcaniques d'Islande. Est-ce que vous vous rendez compte de toute cette science? Avant de repartir vers l'Irlande du Sud, Sæmund Sigfusson avait marié sa fille Sigyn à Erwin Gwynar, c'est-à-dire à Maurice Gwynar. Il s'appelait Maurice Erwin Gwynar. Donc en plus, il s'est marié à la petite fille de Sigfusson. Et il faut savoir que le petit-fils d'Erwin Gwynar, notre auteur, hein, Maurice, lui-même. Alors, attendez, parce que c'est, il faut que vous compreniez ces histoires de généalogie, c'est toujours compliqué. Il a marié Sigfusson, la fille de Sigfusson s'est mariée à notre auteur, Maurice. Et il faut savoir que son père était le petit. Non, que. Enfin, il y avait un lien de parenté, c'est très compliqué, très fort, avec donc notre auteur, et que notre auteur était le fils d'un autre Gwynar, bien sûr, qui lui a été le biographe le plus complet qui soit sur Charlemagne et Irma, fille de l'empereur carolingien. Donc là, vous avez le résumé total de tous les mystères et de toutes les recherches, si vous y prêtez attention. En partant pour l'Empire Inca, Sigfusson avait laissé plusieurs cartes de l'Amérique qui furent recopiées à l'abbaye de Nottonville, puis transmises à Roger II, roi de Sicile, qui les confia à son secrétaire arabe, El Edrisi. Elles parvinrent ensuite au géographe turc Piri Reis, que vous connaissez tous. Vous voyez, cet auteur, Maurice, donc Gwynar, était au centre de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de secrets, de beaucoup de choses. Sur le plan climatologique, ces cartes nous indiquent que la glaciation du Groenland a commencé vers le premier millénaire avant notre ère. Jusqu'au premier siècle de notre ère, le Groenland était peuplé de proto-celtes ou atlars. Et sur le plan de l'astronomie, ces archives nous révèlent les alternances de périodes glaciaires et tropicales sur notre planète. En effet, pendant trois siècles, l'abbaye dunoise et l'abbaye groenlandaise de Kittilsfjord étaient en relation étroite et régulière. Les moines groenlandais avaient pu récupérer les archives d'une station astronomique lydienne et ils en avaient adressé des copies au père abbé Gwynar, l'ancêtre de notre auteur. Ces archives nous renseignent d'une façon laconique mais précise sur l'histoire de notre système solaire trois millénaires avant notre ère. Il est vrai que les Chaldéens, qui étaient des élèves des Lydiens, nous ont aussi fourni quelques informations fragmentaires sur cette histoire. Et les cartes de Sigfusson, les anciennes cartes, représentent aussi les nombreuses pyramides aujourd'hui submergées par les eaux atlantiques à la suite d'effondrements géologiques.
Il explique les effets des nappes magnétiques qui dématérialisaient les marins, les animaux et les matières minérales et organiques aux abords de ces pyramides englouties. Et voilà, on a toute l'explication par rapport à notre triangle des Bermudes et autres choses, parce qu'il y en a plusieurs sur Terre. Bon, donc, vous rendez compte le nombre de mystères, que ce soit au niveau de l'histoire des cartes anciennes, de l'histoire des peuples, de l'histoire des langues, puisque est le plus grand traducteur des Étrusques, c'est le seul d'ailleurs. Il est le plus grand, enfin, il connaît tout sur l'architecture des cathédrales par ceux qui ont conçu ça bien avant les livres qu'on connaît, hein, qui sont très connus. Il est au cœur aussi de la science de toutes les gemmes, de toutes les pierres précieuses. Il est au centre de tout, quoi, en fait. Hein. Et c'est vraiment impressionnant, ce Maurice Guinin. Alors, avant de parler de ça, je vais regarder la tablette 2 secondes. Smaragdina, oui, la même chose. Bonsoir Farid, bonsoir. Bonsoir Shafika, bonsoir Laurent. Et oui, c'est extraordinaire et c'est fabuleux. Ben voilà un auteur qu'il faut aller voir, hein, les amis. Je dois dire que avant même de le lire, j'avais beaucoup travaillé. Alors pas du tout sur les Étrusques, hein, c'était pas ma partie, mais bien sûr sur les anciens Égyptiens et aussi sur d'autres. Et vous connaissez mes travaux, voilà. Je regrette de ne pas l'avoir rencontré, hélas. Mais voilà. Donc, je continue. Si on accepte les textes de Maurice Guignard, alors il n'écrivait pas de livres, hein, c'était des textes très néotypés. Renéotypés, pardon, excusez-moi. Il a beaucoup écrit sur les Nordiques, les Normands, pas seulement sur les Étrusques hein, et tout ça, mais il a écrit beaucoup sur les Nordiques, les Normands, les grands prêtres d'Odin. Et il disait que de par toutes ces archives hein, de son grand-père et de sa femme et de tous ceux que je vous ai cités là il y a 5 minutes, c'est une longue lignée de chercheurs et de gens qui avaient des archives incroyables. Il nous dit que les grands prêtres d'Odin étaient parvenus à capter, je cite, l'énergie cosmique dans un cylindre d'émeraude. Un cylindre d'émeraude. Puis à la conserver dans une sorte d'accumulateur dénommé, je cite, Volu Volt, et cela depuis des millénaires. Et cette intervention ces faits incroyables sur l'émeraude, on le trouve ailleurs. Il y a aussi un certain Georges Honoré qui parle d'une légende inca relative au fabuleux secret d'une pierre légère et brillante, capable de donner la puissance et permettant non seulement de voler dans les airs, mais de soulever des poids conséquents, jusqu'à 2000 tonnes, dit l'auteur en question, celui de certains blocs de forteresses cyclopéennes perdus dans les Andes, attribués à tort aux Incas, parce que pour lui, ça vient de Mu, encore une fois, bon. Et ce texte inca se traduirait comme suit, alors je cite, celui qui connaissait le secret de la pierre légère et brillante obtiendrait le don de s'élever comme un pigeon vers les hauteurs du ciel, sera porté sur les airs comme le condor au-dessus des montagnes sacrées et connaîtra la révélation divine par l'aile, le feu et la pierre.
Mais quelle est la nature de la pierre légère et brillante? D'après le journal recueilli d'un certain Gaetano Scolati, ayant échoué dans les marais de l'Amazone après avoir dérobé ce secret aux Incas, cette pierre consisterait en une immense émeraude taillée en forme de coupe pentagonale, tenant dans les deux, et puis alors il fallait tenir les deux mains ouvertes, cette coupe à la fois sacrée et magique. Et voilà, on est reparti dans le Graal, les amis. Et ce serait à l'aide de cette coupe fabuleuse, taillée dans une seule émeraude, la plus grosse du monde, que, je cite cet auteur, l'Inca suprême captait la puissance des étoiles. Exactement comme dans les textes anciens égyptiens qui nous parlent exactement de la même chose. Et il est acquis que, en plus, l'émeraude était commune dans l'Empire Inca. De riches gisements truffaient la cordillère, en particulier dans la Nouvelle-Grenade. Et l'émeraude a donné le nom d'Esmeralda, hein, à toute la province de Manta en bordure du Pacifique. Et c'est à Esmeralda que l'on a trouvé des vestiges attribués à Mu, vases, bijoux, etc., tous d'une technique et d'un fini supérieur et qui sont datés de plus de 20 000 ans carrément. Enfin bon, voilà. Donc, rappelez-vous la tour de Notre-Dame avec Quasimodo et en bas Esmeralda qui dansait la gitane. Rappelez-vous les grands textes de la littérature française, Notre-Dame de Paris, Esmeralda. Tout est crypté, les amis. Tout ça est lié à ce que je viens de vous dire. Donc, si vous relisez Victor Hugo, si vous relisez les grands auteurs comme Jules Verne aussi, si vous relisez plein d'auteurs avec certaines connaissances, vous allez découvrir un monde incroyable qui s'ouvre à vous. Un nombre incroyable de connaissances et de savoir très ancien. Alors, donc, c'est pas étonnant cette histoire de déesse verte dont on parle au Pérou et de sa coupe merveilleuse taillée dans une émeraude. C'est la même chose que l'histoire du Graal mêlée à celle de la table ronde qui sont chantées dans les poèmes de Chrétien de Troyes. Perceval et de Wolfram d'Eschenbach, et en attendant, et puis aussi l'opéra de Wagner qui en parle. Toutefois, il faut remarquer que le Graal ici, enfin la fameuse coupe, est hexagonal. Réfléchissez un peu à qu'est-ce qui est hexagonal en ce moment même. Et au fin, notons que le Saint Graal et ses secrets avaient été confiés à la garde des Templiers. Et est-ce que tout ça ne servirait pas les fameux secrets de l'enrichissement prodigieux du fameux ordre qui a été, comme vous le savez, brutalement décapité par Philippe, soi-disant le Bel, en 1307? Et en tout cas, il y a un lien aussi là, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va le creuser ce lien là. Revenons à la grande pyramide. Et est-ce qu'on peut parler à son sujet d'émeraude justement? Et lorsque le calife Al-Mamoun entra à l'intérieur de la grande pyramide, il est écrit, il y avait tous les historiens qui étaient là pour écrire tout ce que qui était rentré avec Al-Mamoun, qui le grand calife du Caire, enfin c'était la plus belle époque de la science arabe et des grands écrivains, philosophes, géographes, historiens, mathématiciens, médecins, etc. Donc
Al-Mamoun, quand il entre dans la grande pyramide, on nous dit que, je cite, une statue d'homme en pierre verte comme une émeraude, ayant sur la tête un rubis gros comme un œuf de poule et qui brillait comme une flamme. Le texte est formel. Et donc, oui, il y avait quelque chose en émeraude, ça c'est clair. Est-ce que, parce qu'ils disent que l'émeraude avait la taille de la largeur qui existe entre deux mains. Non, pardon, la largeur de deux mains. Donc, quand vous faites ça, voilà, c'est la largeur de ces deux mains, cette largeur-là. Et pourquoi pas, hein, parce que, par exemple, en 71, on a trouvé dans une mine de Ceylan un diamant de 7 kilos, hein, représentant la plus grosse pierre précieuse jamais connue au monde. Et donc, il n'est pas impossible qu'on ait retrouvé des pierres précieuses énormes comme ça. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, Schwaller de Lubix fait ressortir que la table d'émeraude, il dit, bon, il cite ce qui est marqué dessus, c'est-à-dire ce qui est en haut, c'est-à-dire ce qui est cosmique, et comme ce qui est en bas, c'est-à-dire ce qui est particulier, ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il nous dit que c'est un objet absolument fabuleux. Et Hermès Trismégiste, auquel on attribue justement la fabrication de cette émeraude, de la table d'émeraude, il a dit « Dans tout l'univers, tout se meut, tout vibre, tout n'est que vibration. Et en définitive, la matière et la vie se révéleraient comme des condensés d'énergie vibratoire issus du cosmique, et l'émeraude serait un capteur préférentiel de cette énergie, à la façon des rubis transformant les impulsions lumineuses en rayons laser à haute concentration. » C'est vrai que les rubis sont utilisés pour les rayons laser à haute concentration, et lui, il dit que pour les émeraudes, c'est autre chose, et que c'est carrément des condensés vraiment d'énergie cosmique. Donc voilà, moi je vous livre ça comme ça d'ailleurs. Et le professeur Pochant, qui est un très grand chercheur, a posé l'interrogation sur la liaison pyramide et cosmique. Il disait, je cite, « Les anciens égyptiens ont-ils cru, comme certains le pensent à l'heure actuelle, que les quatre phases de la grande pyramide, enfin je vous rappelle qu'il y en a huit, hein, maintenant on le sait, permettraient la captation de l'énergie cosmique et en particulier du rayonnement de l'étoile flamboyante de Sirius, l'Isis égyptienne. » Donc voilà. Or, Sirius, la Sotis des Grecs, appelée aussi la grande pourvoyeuse, est constamment évoquée dans les textes des pyramides, les textes inscrits dans la pyramide où il y a les textes des pyramides. Pour eux, Sirius est l'œil de Ra, c'est lui qui alimente la luminosité de notre soleil, son énergie, qui ne proviendrait pas d'un feu central ou d'un soleil chaudière. L'importance capitale de Sirius est vraiment aujourd'hui reconnue, et donc c'est une puissance de énergétique d'émission incroyable, Sirius. Et pour les sages pharaoniques, Sirius était le soleil central de notre monde, ou le super soleil qui avait le plus d'influence sur les climats et les catastrophes de notre système solaire. Mais de plus, Sirius est parmi les étoiles fixes la seule étoile qui permette de compenser l'écart irrationnel de temps, et
d'établir une année fixe ou année de Dieu servant de mesure de référence permettant de noter exactement tous les mouvements du ciel. Donc, on conçoit combien il a fallu de temps, vraiment de science, d'intelligence, à tous ceux qui vivaient en pré-dynastie, c'est-à-dire antédiluvien, pour arriver à déceler l'importance unique de cette étoile. Et tout cela, évidemment, ne peut être que le fruit d'une civilisation très avancée, ayant persisté dans l'observation et l'étude des savantes durant des millénaires et des millénaires, ce qui est le cas parfait des anciens Égyptiens, puisque nous avons leurs archives de lever et coucher d'étoiles sur des millénaires d'observation. Voilà, donc ça c'est très important. Alors, je regarde vos commentaires. Il faut que je... Excusez-moi, il faut que je mette la batterie. J'ai oublié de la mettre. Au secours. Ouais, je vais y arriver avant que le truc s'éteigne. Excusez-moi. Voilà, c'est fait. Donc, et oui, Anne, l'Hexagone, c'est la France. Bon. Oralou, il bel passato. Il est dit que Apollonius de Tyane serait venu porter une pierre à ce qui allait devenir Lutèce puis Paris. Yes. Il faut aller voir mes vidéos sur les notes. J'ai pas fait que des lives, hein. J'ai quelques petites vidéos intéressantes. Il faut aller voir celle sur les notes. NAUTES. Alors, donc, je voulais aussi insister sur une chose que peut-être vous ignorez, dont une partie se trouve dans la masterclass Anubis et Oupoaout, hein. Qui a un prix jusqu'à mercredi minuit, celle-là. Je vous mets la photo. La victoire sur la vie et sur la mort, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est déjà pas mal, ça. Parce qu'on vous parle jamais de quoi out, et il y a des raisons à ça. Et dans cette masterclass-là, on va parler, on parle en détail de certaines choses que je vais vous parler maintenant. Je sais plus si c'est dans celle-là. Si, si, c'est dans celle-là. Il y a aussi dans Sermet, je crois, je sais plus. Bon, peu importe. En tout cas, toutes mes masterclass sont très importantes parce qu'elles se sont liées et elles vous apportent des choses que vous trouvez nulle part ailleurs et qui, ça vous offre des portes incroyables dans votre destin, dans plein de choses, en fait. Alors, c'est le culte de Mine dont je voulais vous parler 2 secondes. Vous savez, Mine, c'est relié à Amon. Amon, c'est l'invisible. Hein, Amon, c'est le Netcher, donc l'énergie, hein, parce que ce ne sont pas des dieux, d'accord? C'est l'énergie invisible de Dieu, en fait. D'accord? Et Mine est reliée à Amon. Et en fait, c'est la même énergie que Zeus. Ça, il faut le savoir. Et Zeus, Amon, c'est en connexion avec les météorites. Et c'est pour ça que l'omphalos sacré, c'est un objet sacré qui était toujours avec un élément de météorite dedans. Et c'est par cet objet sacré que Mine était assimilée à Amon. Mine, c'est la fécondité, c'est la richesse. Et l'objet sacré de Mine a eu diverses formes. On le trouve dès le début du milieu de la période préhistorique, soit selon la datation de Petrie, Flinders Petrie, le grand archéologue anglais que j'aime beaucoup, et qui lui est très officiel hein, d'ailleurs, c'est-à-dire à peu près 7000 à 8000 ans avant Jésus-Christ,
en tenant compte de la chronologie Pochon, était représentée sous la forme que je vais vous montrer. Je vous ai fait un petit dessin. Alors, je suis très nulle en dessin, mais c'est pas grave. Évoquant indiscutablement un éclair, c'est-à-dire on l'écrivait comme ça. Vous voyez? Et en fait, c'est bien, ça ressemble, ça évoque en tout cas un éclair. C'est pour ça que c'est pareil que Zeus, Jupiter en fait. Et pour Pétrie, il s'agit bien de la foudre. Pour d'autres, c'est l'arme maniée par l'énergie du ciel, soit l'éclair de rayon de lumière qui jaillit du ciel. Je vous remonte. Voilà. Et soit encore une flamme devançant le vent. Et tout ça, c'est relié à Mine. Et on retrouve ça chez les Grecs, qui ont beaucoup copié l'Égypte. Allez voir mon dernier live, hein, où je vous ai mis toute la liste, enfin une partie gros, importante de la liste, des Grecs qui sont allés en Égypte et qui ont recueilli plein de savoirs. Et donc, Mine était liée à Horus. Les grands prêtres de Mine étaient appelés les servants d'Horus et pas les servants de Mine. Et Amon Mine est devenu chez les Grecs Zeus, le dieu de la foudre, et Horus devint sous le nom d'Apollon le Netcher, l'énergie, les Grecs diront dieu, hein, ce qui n'est pas vrai, l'énergie omphalos de la cité météoritique de Delphes en Grèce. En Grèce, vous avez l'omphalos à Delphes qui est d'origine météoritique. Bon. Et la foudre est le symbole de Mine depuis la plus lointaine origine. Et quand on examine le bas-relief de Medinet Abou, le grand temple qui se trouve dans le sud de l'Égypte, au-delà de Luxor, c'est la 20e dynastie, c'est-à-dire c'est à peu près 1119 avant Jésus-Christ, 1199, pardon, quelque chose comme ça, il y a un bas-relief qui est relié à l'histoire de Mine. On appelle ça la sortie de Mine, le taureau blanc. On montre un taureau blanc et la figuration dans un rectangle juste à côté de 200 étoiles. Et on appelle d'ailleurs ce bas-relief le Mine aux étoiles. Et c'est toute l'histoire du taureau sacré, hein, dont on parle pendant plein d'anciennes dynasties. Et vous aviez à Héliopolis la vénération du taureau Mnevis, qui était un taureau noir, qui est appelé le héros du soleil. Et dans le sud, c'était le taureau blanc de Mine aux quatre taureaux de Mentou attachés aux quatre temples, Karnak, Médamoud, Tod et Hermante. Je suis allée dans les quatre. Alors, Médamoud, Tod et Hermante, c'est très dur d'accès pour les gens aujourd'hui, mais j'y suis allée. Et ces temples étaient dédiés à Mentou Ra. Et il y a une relation donc astronomique avec toute cette histoire. Et il faut remarquer que de 4340 avant Jésus-Christ, nous sommes à la fin de la 5e dynastie, à 2200 avant Jésus-Christ, le point vernal se trouve dans le signe zodiacal du taureau,
ce qui explique la vénération intense dont cet animal symbole est l'objet, jusqu'aux 17e dynastie hein, des rois de Tanis, donc de la 5e à la 17e dynastie, et qui est le symbole des forces cosmiques. Et d'ailleurs, il faut songer à retrouver le nom de Min, fécondité, et la puissance qu'il symbolise dans Mana, dans Men, dans Ménès et dans Menhir. Et on retrouve aussi Men chez les Mayas. Les correspondances, elles sont absolument partout. C'est ça qui est extraordinaire. Et ensuite, le culte de Min. Quand on dit culte, il ne s'agit pas d'adoration stupide, hein. Il s'agit de connaissance. Voilà. Parvenu jusqu'à nous sous la forme du culte de Mithra, qui est perse et qui représente Vénus, d'après Hérodote, et qui jouant un grand rôle dans les livres Zend. C'est aussi l'énergie du soleil et de la lumière. Donc c'est intéressant que je vous en parle aujourd'hui, que nous sommes dans le solstice. Hein. Il était représenté sous la forme, chez les mithraïques, d'un homme égorgeant un taureau à l'aide d'un poignard, et de chaque côté on voyait l'étoile du matin et l'étoile du soir. Bien sûr qu'il ne faut pas regarder la représentation primaire. Hein. Il s'agit de la fécondité qui tombe sur terre, cette image-là. C'est la fécondité qui tombe sur terre depuis les étoiles. D'ailleurs, je fais une parenthèse. J'avais appris par un grand professeur égyptien de mes connaissances que les météores, quand ils tombaient dans l'eau de mer, ils fécondaient vraiment la mer. C'était incroyable ce qu'ils donnaient pour que le corail pousse, pour que tous les poissons puissent vraiment devenir de plus en plus nombreux. C'est de la fécondité, les météores. Donc c'est vraiment mine. Et donc je vous rappelle que le grand mystère de Mithra se déroulait le 25 décembre, jour du solstice d'hiver à l'époque, qui était dit la naissance du soleil. Et sous Aurélien, le romain, en 270, ce culte fut étendu à l'Empire romain. Les vestiges de ce culte sont encore très nombreux en Crète, dans la vallée du Rhône, à Francfort, etc. Pour les Tsikanes et Bohémiens, Mithra est toujours le dieu taurin auquel on rend un culte secret sur l'oppidum qui s'appelle Ra aux Saintes Marie de la Mer. Vous savez qu'il y a un oppidum, ancien oppidum romain, qui s'appelle Ra. C'est incroyable, non? Voilà. Bon, bref, il fallait que je vous en parle aujourd'hui parce que quand même, on est en plein dans la bonne époque. Alors, attendez, je regarde les commentaires. Oui, merci de mettre des pouces, les amis, et surtout à la fin de ce live, mettez des commentaires, s'il vous plaît. Alors, je voulais aussi remercier tous ceux qui me font des dons par PayPal ou par Tipeee, qui m'en ont fait toute cette année, ou ici dans le chat. C'est très, très, très apprécié. Merci beaucoup, les amis. Surtout que y en a de moins en moins. Et que ça me permet de payer les plateformes de cours et tous les logiciels que j'utilise pour faire les lives, etc. Voilà. Peace Unity, Amon, l'énergie de l'invisible, pourrais-je faire un rapprochement avec Englobant?
Je ne sais pas ce que tu veux dire. Cécile crée avec la danse au-dessus du taureau chez les Étrusques qu'il y a bien des peintures fresques. Oui, tout à fait. Abdelrahim, toutes les merveilles de la nature sont précieuses et les pierres n'y manquent pas. Absolument. Alors, je continue, mes amis. Donc, je regarde jusqu'à où je vais aller. Et encore des choses à dire. Ok. Alors, la grande pyramide, ce temple du soleil, en réalité un capteur cosmique naturel. Ce n'est pas pour rien que Mourtadi nous parle du trône de feu décrit par le livre des Coptes, ainsi que des effets du soleil produits dans certains défilés des prêtres, et aussi du Kater, le grand prêtre ou maître des influences, qui pouvait faire tomber la foudre. Hein, donc on rejoint Mine, on rejoint Jupiter, on rejoint Amon. Voilà. C'était pas du tout un monument uniquement pour les soi-disant initiations, c'était vraiment un monument qui était construit pour des questions de physique et de captage d'énergie. Et puis aussi, c'était une entrée pour aller en beaucoup plus bas, hein, pour aller en dessous. Alors, et un bâtiment qui résiste à tout déluge. Donc, faut pas oublier que Champollion, que je tiens en très haute estime, malgré toutes les attaques qu'il a subies, hein, et toutes les occultations aussi qu'il a subies, a toujours dit que l'écriture sacrée avait trois sens, parlant, signifiant et cachant. Donc il y a toujours énormément de mystères et la traduction est vitale et importante. Et malheureusement, il y a très peu de gens, voire aujourd'hui, je ne sais pas, qui sont capables de le faire correctement avec tous les sens. Et les hiéroglyphes indiquaient deux types de soleil. Hein. Le Ra que vous connaissez, le soleil éblouissant, la flamme d'Osiris, qui est représentée par juste un cercle avec un point au milieu. Et puis, le Osiris, le soleil noir et froid, ou lampe qui alimentera les rayons électromagnétiques d'Osiris émis par un corps noir qui donne à la flamme de Ra la possibilité d'exister. Et donc on le représentait avec un cercle tout noir. Et puis vous avez la spirale avec deux ondulations qui sont les forces primordiales de la vie. Donc Osiris, c'est la force qui déclenche la vie dans l'eau. N'oubliez pas le lien d'Osiris avec l'eau, puisque c'est une représentation de Neptune. Allez voir mes lives où il y a le titre Osiris dedans. Allez voir celui qui s'appelle la lanterne d'Osiris. Et donc, Osiris, grâce à ce soleil-là, à cette force-là, on peut beaucoup concevoir à partir de l'utilisation judicieuse de sa force, hein, Osiris. Les forces solaires, les forces stellaires, universelles, c'est-à-dire les forces cosmiques, hein, qui peuvent donner la force vitale, le rajeunissement, l'exaltation de la vie, etc., etc., l'immortalité. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc, beaucoup d'auteurs anciens, même Weiss, a écrit
ils attribuent la construction de la grande pyramide à Hermès. Bon, ce ne sont pas les seuls. Hein. Les textes anciens égyptiens en parlent aussi. Et qui a pour destination de capter les étoiles, c'est-à-dire de capter les rayons stellaires ou cosmiques. Et on nous voici en plein dans le sujet de capter la source pure et originelle. Donc c'est super important. Et par exemple, vous avez cette fameuse cérémonie de l'ouverture de la bouche, hein, le rite de l'ouverture de la bouche que personne ne comprend. Hein. À quoi ça consistait? Ben, ça consistait à faire absorber de l'eau lors de l'ultime dernier moment. Mais bien sûr, une eau qui a été magnifiée par des ondes cosmiques et qui était utilisée dans les rites de rajeunissement. Tout ça a été étudié par l'archéologue de Morgan, extraordinaire. Et le fameux vase rouge engrais qui contenait cette eau était pourvu de 5 spirales à l'intérieur, hein, dont 4 surmontaient les ondulations doubles du signe de l'eau, et ces 4 spirales étaient réparties sur la paroi verticale et extérieure du vase aux extrémités de 2 diamètres perpendiculaires. La 5e spirale était disposée sur le fond extérieur et inférieur. Que représentait la spirale? Bah, c'est la manifestation de la force macrocosmique, hein, de toute façon. Voilà. Et ces forces macrocosmiques sont peut-être de la même nature que celles produites par les condensateurs de la chambre du roi. Et dans le rite de l'ouverture de la bouche, c'est-à-dire de l'eau magnétisée en fait, c'est peut-être une façon d'obtenir la lumière immortelle, éternelle. Et Gaston Maspero, vous savez, il en a parlé, hein. Les anciens égyptologues, les premiers, étaient extraordinaires. Ils osaient parler de tout ça. Mais après, pouf, on a coupé toutes ces connaissances. Hein. On les a empêchés de s'exprimer. Et, enfin, pas eux, mais après eux, c'était fini. D'ailleurs, Gaston Maspero, qui a été un des plus grands, brillants égyptologues, il était en possession d'un certain papyrus et il avait entrepris en 1867 un voyage, bon, à sa sortie de Normal Sup, hein, il a fait un voyage en Amérique du Sud qui dura plus d'un an et qui avait pour but, je cite, rechercher les traces des anciens Aryens du Haut-Pérou qui avaient réalisé jadis sur les hauts plateaux près de Lima une puissante colonie et auraient possédé le secret de la lampe éternelle. Donc vous voyez que les grands archéologues, les premiers après Napoléon, je veux dire, osaient faire des recherches comme celle-là. Et d'ailleurs, il y a Enel, hein, le grand, comment je pourrais dire, j'aime pas le mot ésotérique, mais bon, a confirmé de vive voix à plusieurs personnes que Maspero, avec lequel il avait collaboré pendant 7 ans, chercha toute sa vie ce fantastique secret de la lampe éternelle. Donc vous voyez, voilà. Et c'est aussi pour ça que on dit qu'il existait une connaissance absolue. Et les hommes en auraient reçu le dépôt dès l'origine. Et oui, parce que nous sommes tous des créateurs, les amis. Et on a tout fait pour nous rabaisser et nous mettre dans un modèle de mouton esclave, alors qu'on est des créateurs et qu'on a toutes les forces du monde pour pouvoir créer ce qu'on veut. C'est pourquoi Socrate
rechercher la connaissance de la connaissance. Donc, c'est super important. Et en Égypte, rien n'est science, mais connaissance. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs l'observation scientifique, hein, loin de là. Comme vous pouvez le voir dans le papyrus d'Edwin Smith, le papyrus sur la chirurgie, la médecine. Mais alors, d'où pouvait bien provenir une telle extraordinaire faculté? Et quelles pouvaient être les caractéristiques psychosomatiques d'une humanité aussi spécialement dotée d'une fabuleuse faculté que nous avons perdue? Qu'on a perdue, mais qu'on est en train de retrouver, les amis. Hein. Et alors, les anthropologues, les ethnologues nous disent, nous parlent de la faculté d'intuition qui réside dans le cervelet, et le développement de cette faculté et chez les anciens, l'importance primordiale de cette zone cérébrale était appelée l'arbre de vie. Et chez les Chinois, fenêtre du ciel. Expression qui précise bien le rôle unique et irremplaçable de cet ensemble glandulaire. Donc, les Égyptiens prétendait que la fontanelle de l'enfant constituait son pôle d'absorption d'énergie cosmique, de même que le pôle nord de la Terre est celui de la pénétration de cette même énergie. Donc, à partir d'un cerveau rendu très intuitif ou réceptif, poursuivre et compléter les recherches de la connaissance en respectant et suivant au mieux l'épanouissement de l'intuition, les impulsions cosmiques qui régissent l'univers, c'est ça qui est la meilleure voie. Voilà. Donc, de toute la, enfin, tout ce qu'ils ont dit. Et on sait bien que la lumière éternelle des premiers Égyptiens, les antédynastiques, comme on les appelle, aurait été obtenu à partir d'une énergie naturelle tirée de l'atmosphère. Et alors, bien sûr, le mot atmosphère ne veut rien dire. Il faut également songer aux rayons cosmiques dont l'échelle de puissance énergétique varie de 10 puissance 12 à 10 puissance 19. Il serait l'émanation de ce vide, soi-disant vide, hein, Mais c'est vraiment fabuleux en rapport au très faible niveau énergétique que nous connaissons aujourd'hui et dont l'échelle relative de puissance ne dépasse pas pour l'atome un électronvolt dans le corps humain, 10 puissance 3 électronvolts dans la chromosphère solaire et 10 puissance 5 électronvolts dans les étoiles blanches. C'est dérisoire avec celle des potentialités cosmiques qui sont 10 puissance 10, 12 à 19 pour les rayons de plus haute énergie. Et donc, ces rayons cosmiques sont constitués d'un flux de protons et la réalisation artificielle de ces flux à l'aide de puissants accélérateurs de particules existants ne permettent pas de communiquer aux protons une énergie supérieure à 10 puissance 10 électronvolts. En gros, on peut dire que les rayons cosmiques de haute énergie, c'est-à-dire 10 puissance 19, représentent une énergie naturelle 300 millions de fois plus puissante que celle obtenue à partir de nos plus monstrueuses réalisations artificielles affectées à la recherche de l'énergie atomique. C'est-à-dire qu'on est loin du compte de l'énergie divine. Hein. C'est vraiment... Voilà, les amis. Donc, les amis, je regarde encore les commentaires.
Oui, Abdelrahim, la lampe de Salahéddine. Ouais. Abdelrahim nous dit, nos intellectuels contemporains sont malheureusement pour une grande partie dans la lamentable médiocrité par rapport aux anciens qui nient des sagesses inestimables du vivant. Et oui. Abdelrahim dit encore, tous les rituels des anciens sont basés sur des savoirs passés au crible de l'expérimentation et sont savamment déterminés et construits. Merci Annie, merci beaucoup Annie pour ton don, merci infiniment. C'est grâce à ça que je peux continuer à faire des lives gratuits, les amis, parce que voilà, je fais que travailler toute la semaine, y compris le week-end, parce que c'est le moment de donner toute cette connaissance et de donner cet enseignement qui n'est pas le mien, qui est celui. Que j'ai pu apprendre et qui est très important. C'est vraiment très important tout ça, les amis. On est à un moment justement où cette énergie céleste, divine, cosmique, intervient, commence juste à intervenir. Et c'est pour ça que vous êtes tous très fatigués, que vous êtes pas mal. Comment dire en espagnol, il y a un terme que j'aime bien parce que les Espagnols ont des termes très imagés, dépistado, c'est-à-dire dépisté quoi. Vous savez plus où vous habitez trop, vous êtes vraiment. Voilà, et beaucoup d'entre nous sont aussi très attaqués par des doutes, des hésitations qui n'ont pas lieu d'être du tout, vu leur, leur constitution d'être vivant et d'être divin et de reconnaissance qu'ils ont eue, en tout cas jusqu'à maintenant. Du divin et du ciel. Donc, c'est très important, les amis, de resserrer, se resserrer entre nous, de se serrer les coudes, de aussi écouter la fatigue et de se reposer, de enlever de ses pensées tout ce qui est négatif, de ne pas se décourager. Le vrai courage se mesure à la longueur et pas à la rapidité, hein. Et beaucoup, beaucoup de changements vont intervenir. Simplement, quand vous les attendez à certains moments, c'est pas ces moments-là que ça vient. Ça vient toujours de façon surprenante, impromptue. Donc, les amis, vraiment, vraiment, prenez soin de vous. Ne vous impatientez pas. Tout est bien, tout est en ordre. Et ce chemin est extraordinaire parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien parce que vous devez vivre des changements comme l'humanité n'en a jamais vu. Donc c'est un moment extraordinaire à célébrer malgré toutes les douleurs, toutes les souffrances, tous les manques que vous pouvez avoir. Il faut jamais perdre la conscience de tout ça. C'est la plus grande des choses, la plus belle des choses. Et le 25 décembre, quand la lumière revient, ça va être différent, petit à petit, de plus en plus différent. Donc, les amis, je regarde une dernière fois le chat. Oui, c'est une époque incroyable, mais heureusement qu'il reste des personnes. Ah, merci Abdelrahim. Merci Claudie, merci à tous les amis qui m'écoutent et tous ceux qui m'écouteront en replay. Et haut les cœurs, comme j'ose le dire. Et puis, merci Anne, merci Sarah, Neil, merci nos Brain Inside. Merci Shafika. Merci Sylphide. Et si vous voulez comprendre
parce que beaucoup de gens me disent, mais tu sais beaucoup de choses, c'est une encyclopédie, etc. C'est pas ça. C'est que les amis, quand on apprend petit à petit à voyager dans les lignes de temps, à les reconnaître, les lignes de temps qui sont au-dessus, si j'ose dire, c'est une façon imagée hein, de parler, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant à la fin de ce live, mais vous arrivez dans une, en quelque sorte, densité, mais ce n'est pas le terme exact, parce que les densités, c'est encore autre chose, mais vous arrivez dans une ligne de temps où tout est accéléré. Donc, la fréquentation de ces lignes de temps vous permet d'accélérer aussi votre processus d'intégration de données. Et c'est pour ça que quand je reviens là, dans notre ligne de temps à nous, j'accumule énormément de choses en très peu de temps. Et je peux vous les redonner. Et c'est pour ça que tout ce que je fais est vraiment significatif de densité, de rapidité, de densité de données, que ce soit mes masterclass, qui sont vraiment des concentrés, les gens revoient et revoient et revoient et trouvent à chaque fois des choses différentes, que ce soit mes lives, ça dépend desquels, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Ça n'est pas lié à un apprentissage, scolaire, même en dehors de l'école, évidemment, mais ni à mes années d'université. Les années d'université m'ont donné beaucoup de discipline et des méthodes d'organisation qui sont très nécessaires pour l'apprentissage de très grosses quantités de connaissances. Mais la plupart de mes acquisitions rapides viennent du fait que je fréquente les lignes de temps. Et c'est pour ça que mes masterclass sur les lignes de temps Nemi et Ravenna sont très importantes. Parce que je commence à vous expliquer comment ça fonctionne. Je commence à peine. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les lignes de temps. Et vous avez vu aujourd'hui que les anciens Égyptiens connaissaient tout ça. Et nous vivons aujourd'hui une époque où certains, hein, comme la 17e lettre de l'alphabet et tout ça, connaissent tout ça. Et fonctionnent avec ça. Et nous permettrons une libération grâce à ça. Donc les amis, c'est très important, prenez-en conscience et merci à vous pour votre présence, merci à vous, prenez soin de vous, vous êtes chacun très précieux pour nous tous et merci de votre soutien, à très vite, à très bientôt, voilà, au prochain live, merci beaucoup les amis. Et je regarde les derniers messages. Merci Formation Sans Frontières. Merci Abdelrahim. Merci, oui, il nous dit que le Seigneur vous bénisse de ses grâces, ses périodes de fête et vous garde dans sa miséricorde immense. Merci. Merci Pyramidion, merci Pissionity, dit l'encyclopédie en 12 volumes. Ben non, hein, c'est beaucoup plus que ça. Bonsoir Flora. Merci Chris-Marie. Merci Katia, la même Zaza. Merci Lucilis. Merci Annie. Et donc, merci Horatio. Merci Marie-Paul qui dit encore des révélations. Prends bien soin de toi, que les étoiles te soutiennent dans ton travail pour notre éveil vers la vérité. Merci à toi Marie-Paul. Merci Laurent, merci Léa. Oui, alors si vous voulez offrir une masterclass qui ne parle pas de choses comme ça trop révélatrices, on va dire, vous avez la masterclass des parfums égyptiens et de l'encens qui est parfaite. Alors, je ne parle pas de choses comme ça. Par contre, je parle de choses très importantes au niveau des parfums et des connaissances anciennes égyptiennes dessus. C'est très, très. C'est une masterclass pour se détendre, vraiment. Et sinon, vous avez toutes les autres. Tous les liens sont sous mon YouTube.
sur n'importe quelle vidéo, vous avez le prix de toute façon qui est toujours affiché en fonction du nouveau prix, donc il n'y a pas de souci. Merci à vous. Jardin d'Avraham, il dit encyclopédie en 12 bibliothèques d'Alexandrie. C'est déjà mieux. Merci Jardin. Merci Chris-Marie. Au les cœurs. Bonsoir Saranil. Merci Peace Unity. À très bientôt les amis. Et bonne soirée.